Bonjour. La vidéo qui va suivre est sur une fonction qui permet de transférer les résultats d'une étude d'écoulement de fluide avec SOLIDWORKS Flow Simulation vers une étude d'analyse structurale dans SOLIDWORKS Simulation. Donc, comme vous voyez ici, j'ai la structure et puis j'ai l'étude de simulation avec les résultats déjà. Ici, j'ai la visualisation surfacique de la pression. Et puis, ici, j'ai les trajectoires. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà les résultats ici, les résultats que je vais transférer dans SOLIDWORKS Simulation après. Comment faire pour transférer ces résultats-là? On a une fonction en fait qui nous permet d'aller chercher ces résultats-là, c'est-à-dire d'exporter les résultats vers simulation. Là, les résultats, les fichiers sont préparés pour l'exportation. Donc, ce qui me reste à faire, c'est d'aller créer mon étude de simulation. Ça va être une analyse statique. Donc, ici, je vais définir le matériau rapidement. Ça va être de l'aluminium, alliage d'aluminium. Voilà. Et puis le déplacement imposé, géométrie fixe. Après avoir défini ça, il me reste à définir le chargement. Donc le chargement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être le chargement qui vient de SOLIDWORKS Flow Simulation. Donc comment aller récupérer ces chargements-là? C'est tout simplement avec cette fonction effet d'écoulement. Donc là, je vais aller chercher le fichier qui a été déjà préparé. Donc après avoir fait ça, ce qui me reste à faire, c'est de lancer le calcul. Donc j'ai les résultats, comme vous voyez ici. Et puis ici, j'ai les contraintes max, en fait. Et puis, je peux sortir aussi d'autres types de résultats, comme le déplacement, faire l'animation pour valider si le chargement et puis la condition de fixation sont bien définies. Après ça, je peux aussi sortir rapidement le coefficient de sécurité, c'est très important. Là, comme vous voyez, j'ai un coefficient de sécurité de 4,3 qui est très très confortable par rapport à ce type de structure-là. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations concernant SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Flow Simulation, n'hésitez pas à appeler à PBI au 450-449-2525 poste 221. 450-449-2525 poste 221. Merci beaucoup. Au revoir.